Chester est ici en fin d'après-midi au Miloland pour rider avec les boys, une petite session de pratique juste pour maintenir la forme sur le bicycle. C'est différent parce que là, on ride vraiment juste pour le fun, on s'entraîne un peu. On essaie de développer peut-être des nouvelles choses, des nouveaux trucs qui vont nous amener à avoir, je dirais, une bonne extension pour plus tard. Moi, je suis super content de ma saison. Ça a bien été. Je suis resté sur mes deux roues. Ouais, exactement. Donc, c'est assez simple aujourd'hui. C'est juste nous autres, la moto et la track. Il n'y a pas de foufou, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas d'inanimateur, pas de banners à installer nulle part, pas de drapeau, rien. C'est vraiment juste nous autres qui s'amusent. Puis, vous allez voir ces images. Hein, c'est bien, bien simple, mais dans le fond, pas besoin que ce soit bien extravagant. Là, c'est vraiment le but, c'est de s'entraîner, de s'amuser. Ça fait plaisir. Là, fait que. Ce qu'on a besoin dans le fond là ici. Ben, malheureusement, je peux pas rouler aujourd'hui. Je suis tombé hier, je me suis blessé, je me suis fait mal au côte. Je prends ce coup, puis on chillait avec les gars. Là. Ouais, c'est le fun, je suis bien content de mon année. On s'est promené beaucoup, on a fait du village, on a visité plein de places. Puis, on est allé dans mon coin, à Barre-Haute, on a fait un show des villes. Le monde est reposé. On a fait un party là-bas avec ma gang. Puis, ça, c'était vraiment cool. Là. On a passé, on a quand même passé au travers, j'ai réussi à faire plus de choses que je pensais. My motherfucking bass. J'aimerais ça revenir en force l'année prochaine parce que Miloland, on a pas mal de dates déjà de booker pour la saison 2014, puis j'aimerais ça revenir en force pour donner vraiment un bon boost dans mes performances pour les shows. We'll be right back.
Pour moi, ce qui s'en vient, c'est super excitant. La saison achève, sauf que moi, je m'en vais en Chine. Je m'en vais faire un contrat pour un spectacle de Franco Dragon à Macao. Fait, ça, c'est un autre challenge complètement. C'est tellement différent de ce qu'on fait ici. C'est vraiment pas pareil. Premièrement, il y a beaucoup plus de représentation, mais les conditions sont idéales. On n'a jamais de vent, on n'a jamais de pluie. C'est à l'intérieur, dans un casino. Mais on a beaucoup, beaucoup de représentations par semaine, 10. Donc, ça en fait beaucoup, mais ça s'arrange pour vraiment qu'on manque de rien là-bas. Fait que j'ai bien hâte, c'est un autre challenge encore cet hiver, pour les prochains mois. Puis après ça, le printemps va revenir assez vite, puis on va repartir avec le Milo Lento encore avec un nouveau show.